après 2 ans d'expérience. Donc sur les surfaces en vie, pour l'instant, donc on a pu aller jusqu'au bout. Et l'objectif, de n'utiliser aucun pesticide. Donc on verra les années à venir, hein, comment on arrive à évoluer. Mais on aura peut-être quelques années à plus de difficultés, mais on apprend aussi, on évolue en technique tous les ans. Bon, c'est clair qu'on avance. On n'aurait pas avancé, à mon avis, aussi vite et autant sans cette démarche d'ensemble avec la Coperle, encore une fois, qui nous donne quand même une assurance et puis surtout une finalité pour valoriser tout ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir une approche entière d'une filière qui, depuis le porc sans antibiotiques, les céréales produits sans pesticides, avec une valorisation et puis un marché derrière, nous donne quand même une autre approche et une autre façon d'envisager la chose que de le faire en fait de façon certes par nécessité, parfois par conviction, mais en plus là on a quand même le côté économique derrière, quoi.